Bonjour, je suis Gérard Abner, ancien chef de cuisine, formateur de professionnels depuis une dizaine d'années. Et nous sommes ici aujourd'hui à l'École nationale supérieure des métiers de la viande qui nous reçoit pour qu'on puisse vous faire une préparation de nuggets traditionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que les nuggets? Les nuggets, c'est avant tout de la volaille de qualité, le filet, la partie noble. Ensuite, pour faire des nuggets, il va falloir des œufs coquilles, des vrais œufs. Et on va prendre de la chapelure, c'est-à-dire du pain que l'on aura râpé, ou de la chapelure qu'on aura acheté dans le commerce. Ça marche pareil, c'est exactement la même chose. Nos filets de poulet, les voilà. Nous avons ici les deux suprêmes de volaille, les deux filets de volaille, que l'on va pouvoir couper, ouvrir et préparer en escalope. Bah, chez votre boucher, vous avez des escalopes déjà faites, prêtes à cuire. Et voilà mes escalopes de volaille. Avant que ça devienne des nuggets, on a pris des filets de volaille, on les a transformés en escalopes, et bien maintenant, on va les cuire. Alors saisir légèrement, pas saisir trop fort, faut pas faire brûler l'huile, hein, faut pas colorer trop les escalopes, elles soient légèrement blondes, blanches, ça va, ça ira très bien, c'est pas la peine d'y aller trop fort. L'étape suivante pour nos nuggets, ça sera de préparer l'enrobage. L'enrobage, des œufs, trois œufs dans, pour faire notre enrobage aujourd'hui, donc dans lequel on va rajouter un petit peu d'huile, maïs, tournesol. Alors combien d'huile? Ben, on va mettre une bonne cuillère d'huile dans nos trois œufs. Une cuillère d'huile, ça fait aux alentours de 15-20 grammes. Et je vais l'assaisonner. Alors je vais l'assaisonner avec du sel de Guérande, le seul vrai sel, inobjectif à souhait, mais j'assume. Ensuite, on va mettre un petit peu de piment d'Espelette, fabriqué, élevé et cultivé dans le Pays Basque, et on va le doser en quantité relativement importante, une demi-cuillère à café par rapport à ça, ce qui est beaucoup, comme d'ailleurs j'ai mis beaucoup de sel. Ensuite, on va le battre. Et le fait de le battre est important. C'est pas simplement un mélange des œufs, c'est véritablement un battage de façon à avoir un produit homogène. Alors le battage est important, il faut que ce soit vraiment homogène, il ne faut pas qu'on ait encore, quand on le voit ici, mon œuf n'est pas complètement battu, on n'est pas mélangé correctement, il faut vraiment battre correctement. Et bien voilà, là mon mélange est prêt, il est homogène, il est mousseux, c'est un signe d'homogénéité, et comme ça je vais pouvoir faire mon enrobage. Et bien, mes nuggets maintenant, je vais les couper de façon à leur donner la forme que je souhaite leur donner. On peut les couper en nuggets classiques, en petits morceaux, genre petits cubes, en petits losanges. Ça va vous permettre de présenter des choses un petit peu sympas qui sortiront de l'ordinaire. Et bien maintenant, nous allons prendre notre filet de volaille, nous allons le mettre dans l'enrobage. Nous allons donc l'enrober, c'est le moins qu'on puisse faire dans un enrobage, et ensuite le passer dans notre chapelure. On le roule dedans, on tape un petit peu de façon à faire bien, parce que la chapelure enrobe bien correctement le produit. Et là, votre produit, il est prêt à être fini et bientôt prêt à être mangé. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à les finir, nos nuggets. Vous remarquerez que je n'ai pas dit à les cuire parce qu'elles le sont déjà cuites. En fait, on va les finir. Plusieurs solutions. La meilleure, la poêle. La poêle dans laquelle on va mettre un petit peu de beurre et un petit peu d'huile. Pourquoi faire un mélange huile-beurre? Tout simplement parce que ça va nous permettre de chauffer un peu plus notre produit de façon à ce que ça soit une coloration un peu meilleure. Donc un peu d'huile dans la figure, la même que tout à l'heure, d'huile de maïs. On va les saisir quand mon beurre va être bien mousseux. On va mettre les nuggets dedans et les saisir. Donc là, voilà, mon beurre mousse, c'est bien. Je me prends mes nuggets. Je les mets dedans.
Alors ces nuggets, vous pouvez très bien les préparer à l'avance et les faire cuire demain, voire après-demain, mais enfin pas au-delà. Hein. Pendant ce temps-là, nos nuggets sont légèrement colorés. On va les retourner délicatement, de façon à simplement les chauffer correctement. Et bien voilà, nos nuggets sont maintenant quasiment prêtes. Maintenant, on va trouver à mettre quelque chose avec. On n'est pas obligé de mettre des frites. Ça existe même sans les frites, les nuggets. On peut très bien trouver des garnitures à base de tomates, à base de salade, de croissons, à base de riz. Ça se mariera assez bien avec. Et puis comme sauce, quelques gouttes de vinaigre balsamique, quelques gouttes, une demi-cuillère à café par personne, et vous allez les tremper dedans. Ça sera absolument délicieux. Bon appétit.